présente. Ulysse, vainqueur de Troie, tu as porté la main sur mon fils, le Cyclope. Tu as profané mon nom et défié les dieux. Je te maudis. Jamais tu ne reviendras de ton voyage. Jamais tu ne retrouveras les tiens ni ton royaume. Je peux pas chanter juste. Mais c'est à cause de toi. Oh. Tu joues trop faux. Quoi? C'est toi qui est pas dans le ton. Moi, je joue bien. Ouais, si t'es pas content, trouve-toi un autre chanteur. Calmez-vous, tous les deux. Boudet ne fait pas progresser. Il faut travailler ensemble. Oh non, pitié! Je ne faisais que passer, je cherchais de l'eau. Il ment, chef. Je l'ai entendu parler d'un trésor. Et en même temps, il touchait le tronc de cet arbre, là. Non, c'était les paroles d'un de mes poèmes. Je vous le jure, j'ai composé une ode au dieu Pan pour le remercier de nous avoir donné ces arbres. Écoutez, le trésor, c'est cette nature et des... Tu nous prends pour des imbéciles? Abat cet arbre, je veux voir ce qu'il y a dedans. Oh non, pas ça! Cet olivier est plusieurs fois centenaire, c'est criminel. Alors ça, on s'en moque. Allez, fais-le. Oui. Non, laissez-le vivre. Hein? Alors, on se promène, messieurs? Oh, enfin te voilà, Ulysse. Aurais-tu un problème, Philo? Vous feriez mieux de filer en vitesse. Ah, tu crois? Tu ne sais pas à qui tu as affaire. D'un coup d'épée, je l'envoie chez Hadès, ton Ulysse. Mâche, qu'est-ce que tu disais? Eh bien, je disais, on se retrouvera, tu peux en être sûr. Oh, ces deux barbares me sont tombés dessus pendant que je récitais un poème. Ces rustres ne sont pas sensibles à l'art et à la nature. Il est magnifique, cet olivier. J'ai pratiquement le même dans mon jardin à Ithaque. C'est vrai? J'ai écrit mes plus beaux poèmes sous son ombrage majestueux. Puissent les dieux être cléments et nous ramener jusqu'à lui. Oh! Ah! Oh! Oh! Poète, j'apprécie que tu aies défendu avec courage cet olivier. Il est sacré comme les chaque arbre de cette terre. C'est pourquoi je tiens à t'accorder une faveur. Mais je n'ai fait que mon devoir. Votre Altesse, enfin, Dieu Pan. Tu as dit que tu avais envie de revoir l'olivier d'Ulysse à Ithaque. Voilà, maintenant, ami des arbres, tu connais la route qui mène à ton île. Oui! C'est vrai, c'est magique. C'est comme si j'avais une carte dans la tête. Je vois clairement toutes les îles, les routes qui y mènent, et je vois... Ithaque! Bravo, petit, je suis fier de toi. Bon, je n'ai fait que mon devoir, tu sais. Vous en auriez tous fait autant. Ce matin, les mots ont triomphé du glaive. La barbarie a reculé devant la poésie. Quelle leçon, mes amis, prenons-en de la graine. J'aime pas les barbares. Il va faire une de ses têtes, Poséidon. Oh là là. Grâce à Pan, plus rien ne peut nous empêcher de rentrer à Ithaque, à moins qu'on te coupe la tête. Hey, t'es... Lâche-moi! Je vais demander à Pan de nous donner une carte maritime à la place. Il n'y a pas plus fiable qu'un parchemin. Rassure-toi, Philo, on te protégera. Poséidon ne te fera aucun mal. Oh, il suffit que j'ai 5 minutes d'inattention pour qu'un autre dieu s'en mêle et contrarie mon plan. Flûte!
Je dois me débarrasser de ce poète. Si seulement je pouvais agir sans intermédiaire. Par surprise, sinon je lui aurais fait avaler son épée à cet Ulysse, non? Certainement. Et je peux t'offrir une chance de prendre ta revanche. Ce serait pas de refus, mais en ce moment, on est fatigué, on se traîne, pas vrai, les gars? Oh. Non, moi je suis très en forme. Et en plus, ils sont nombreux. C'est beaucoup trop pour nous. Non, je renonce. Mais merci quand même. Il faut trouver un moyen de leur faciliter la tâche ou Ulysse les écrasera comme des punaises. Ah voilà, c'est ça, diviser pour mieux régner. Classique, mais efficace. Philo ne verra pas la différence, mais sa prochaine sérénade risque de ne pas faire l'unanimité. Oh, un monstre approche, regarde! Il va emporter tous les tonneaux! Quoi? Quel monstre? Où ça? Très 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 amusant. Philo, tu peux sortir? Tu vois bien qu'il n'y a aucun danger! On dit ça, et un matin, on se réveille, et on n'a plus de tête! Tant qu'elle est encore sur tes épaules, joue-nous un petit air. La musique nous donnera du courage, et plus vite on aura terminé, plus vite on sera de retour à Ithaque. Il faut être inspiré pour interpréter une mélodie. Je n'ai pas la tête à ça, je n'ai pas envie. Fanny fort, pour changer, joue-nous quelque chose d'actuel, pas une vieille berceuse. Oh. Ça te ferait mal de prendre des cours de couture? T'exagères, pourquoi tu me dis ça? Parce que, à la première tempête, il faudra recommencer ce que tu as bâclé. Non, attention, un peu plus haut. Non, ça va, Dathès, arrête avec ton bateau. On n'est pas des brutes, on va pas l'abîmer. Ce serait pas la première fois, je préfère être vigilant. Plus à droite. Non, plus à gauche. Ça commence à m'énerver, tu te décides? Elles sont nulles, tes coutures. Ah bon, elles sont nulles? Alors débrouille-toi, finis toute seule. Mais tu peux arrêter de bouger? Tu nous gênes. Mais... oh, c'est lourd. Oh, Titan, tu pourrais arrêter de te plaindre. Si on avait su, on se serait passé de tes services. Non, c'est malin. Tête de mule, saboteur. On dit pourtant que la musique adoucit les mœurs. J'espère que les bons ariens sont en place. Je sais plus ce qu'on doit faire, chef. Ça fait 10 fois que je te le répète. On attend qu'ils se séparent pour les capturer l'un après l'autre. Ah, d'accord. Moi, je le sens mal, en fait, ce fichu plan. Tu préfères un numéro de jonglage? Alors tais-toi et fais le guet. Ça y est, en voilà un. La brute bleue à cornes. Tous à vos postes, vite. On est 3 et il est seul, c'est bon, il n'a aucune chance. Cette lyre a un son magnifique. La différence entre toi et moi, c'est que j'ai de l'expérience. Oh, Diomède, tu confonds l'expérience et l'âge. Tu peux arrêter ton vacarme une minute? On ne s'entend même plus crier ici. Hey,
village. D'accord, puisque c'est comme ça, je vous dirai pas où est Ithaque. Je suis désolé. Je me demande vraiment ce qui m'a pris, je ne comprends pas. Pardonne-moi, Dathès, mon petit frère. Mon ami, je regrette. J'ai été injuste, tu dois m'en vouloir. Oh, merci, Zéphyr. Ah oh, pauvre titan. J'ai été dur avec lui. J'espère qu'il va me pardonner. Tu viens? Je le tiens! Suis-je? Ouh, il plaisante pas celui-là. Il a une force phénoménale. Non, on a eu le plus costaud de la bande. Après lui, ça va nous paraître facile de capturer Titon les autres. Titon! Titon! Excuse-moi, je suis désolé. Reviens, s'il te plaît. Hein? Je te conseille de te rendre sans faire d'histoire et pas un geste. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais jouer un morceau pour fêter notre réconciliation. Non, il n'est pas normal cet instrument. Laisse-le. Quoi? J'ai le sentiment que si on s'est disputé, c'est à cause de lui. Mais c'est quoi ce sous-entendu? Dis que je ne sais pas jouer, vas-y. Ça n'a rien à voir, non. J'ai l'impression qu'on utilise ta lyre pour essayer de nous séparer malgré nous. Ce serait indigne envers la musique. Pourquoi quelqu'un ferait ça? Oui. C'est pas vrai! Ah oui, j'allais oublier un petit détail. Lorsque la marée monte, l'eau dépasse la grille de plus d'un mètre. Ça veut dire que vous n'avez plus qu'une heure à vivre. Bon, occupons-nous des autres. Nisa a raison. Ulysse et Titan ont disparu. Quelqu'un veut nous empêcher de rentrer à Ithaque. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? On se barricade et on attend de voir ce qui se passe. Non, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc on part sur les traces d'Ulysse et de Titan, et ceux qu'on croise, on les attaque. On pourrait peut-être négocier. La violence attire la violence. C'est bien connu. Elle arrive bien de quelque part, c'est tout. Bête là. C'est trop petit. Économise ton air, Titan. Je reviens aussi vite que possible. Tu ne risques pas ta tête, toi. Ulysse et Titan sont passés par ici. Je pars en éclaireur. Attendez mon signal avant de bouger, hein. J'ai fait la guerre de Troie, moi. Je vais leur montrer ce que c'est qu'un soldat d'élite, un homme de terrain. Hé, chef!
Il y a un vieux qui renifle le sable. Qu'est-ce que je fais de lui? Et je ne passais pas. Une dernière bouffée d'air et j'y vais. Voyez, vous n'êtes pas si mauvais, après tout. Bon, allez, emmène-le faire une promenade sur la falaise. Et qu'on en finisse. Débarrassement au plus vite. Oui, tout de suite, monsieur. Bon, allez, avance. Il faut que je les sauve, mais j'y arriverai jamais toute seule. Qui a dit que tu étais toute seule? Alors, tout venait de cette lyre. Écoute, je me charge d'aider Philo et les autres, et toi, tu vas aller délivrer Titan en vitesse. Bien sûr. Comment je vais me débarrasser de ces deux brutes là-bas? Je leur balance des boules de feu comme Zeus? Tu leur joues un petit air? Dépêche, Ulysse! Ça ira très vite. T'en fais pas, petite tête. Plouf, un grand plongeon et paf, c'est fini. Demeurer, espèce de demeurer toi-même. Pas moi, toi, espèce de pauvre d'esprit qui pense avec ses pieds. Attention, tais-toi, sinon... je t'écrabouille. Ah ouais, t'es un demeuré, t'es un demeuré. Les prisonniers s'enfuient. Regarde. Mais tu m'écoutes, demeurez. Raté. Une dernière volonté. Oh non! Oh, je veux voir ma maman! Eh bien alors, tu as un souci, Philo? Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, j'en ai eu assez de ce trou à rats trop humide et trop étroit, et trop mal éclairé à mon goût. Ah!
pas ça! Oh non! Maintenant, c'est ton tour. Au secours! Oh non, il ne manquait plus que ça! Accroche-toi, Philo, tiens bon, je vais te sortir de là! Ça, c'est pas gagné d'avance! Continuez! C'était bien! On a réussi! Oui, je veux ma maman! Tu es fini, tu n'as aucune chance! Tu es fait, Ulysse! Rendez-vous chez Hadès! Après toi! Philo est là! Attends, je reviens, ne bouge pas! Je vais lâcher! J'ai pas assez de force, je ne peux plus tenir! Ulysse! Je te promets que tu rentreras à Ithaca avec nous! Je t'invoque, Pan, dieu de la terre, dieu de la poésie. Entends ma prière. Tu nous as dévoilé le chemin d'Ithaque pour récompenser le courage de mon fidèle compagnon. Mais je te supplie de nous consentir une autre faveur. Peux-tu épargner sa vie plutôt que de nous accorder ce privilège? Très bien. Je vous le rends sain et sauf, et je reprends ce que j'avais donné. Oh! J'ai complètement oublié le chemin. Je suis désolée. Oh, ça ne fait rien. On retrouvera Ithaque d'une façon ou d'une autre. L'important, c'est qu'il ne manque personne sur ce bateau. Eh bien, ça se fête. Tu peux nous jouer un air solennel pour célébrer cette chose. Oh, oh non, je ne la toucherai plus. Elle sème la discorde. Hein? Noy! Tu vas voir ce qui t'attend. Par mes tentacules, il va t'en cuire, Ulysse. Quant à ces trois abrutis, je vais leur faire payer cet échec. Je me sens assez en forme pour un long numéro de jonglage. Ça me calmera les nerfs de les faire valser. Disponible sur le canal 18 de la TNT gratuite.